Alors aujourd'hui on va aller sur une récolte de cribs. Bonjour, je suis Benjamin, donc je suis agriculteur en Alsace. Et donc je vais vous présenter aujourd'hui comment on récolte nos maïs avec un système un peu traditionnel. Alors donc avant de commencer la récolte, tu veux nous parler un petit peu de ta ferme. Alors sur la ferme, on cultive essentiellement des céréales, du maïs, du blé et du soja aussi, une légumineuse. On est en grande culture ici, on est dans une grande plaine d'Alsace. Et on a la chance, alors surtout cette année, ça se remarque très fortement, on a la chance d'avoir la plus grande nappe d'Europe, la nappe phréatique d'Europe, sous nos pieds. Et on n'a pas manqué d'eau, on a pu arroser convenablement nos cultures cette année. Donc je vous présente un plant de maïs. Donc c'est quoi un plant de maïs? C'est une plante de plus de 4 mètres de haut, avec ce qui va nous intéresser surtout, c'est l'épi qu'on voit là. Mais l'épi, il existe grâce à la fleur mâle qui est là, qui a donné du pollen et qui a fécondé la fleur femelle qui est ici. Et au bout de chaque fil de la fleur femelle qu'on a là, on va avoir un grain de maïs. Et donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est récupérer sur toute la plante qui est là, on va juste récupérer l'épi et on va le mettre à sécher pendant tout l'hiver jusqu'au début du printemps. Donc notre épi qui va rentrer dans cette machine, la machine va la mettre dans une benne et la benne on va la ramener jusqu'ici en fait, dans ce séchoir à maïs, c'est une cage à maïs, ça s'appelle un crips. C'est des grands poteaux télégraphiques avec du grillage et on va essayer de caser tous nos épis du champ jusqu'ici, on va vous montrer comment ça marche. On vide la benne dans une bande élévatrice et donc cette bande va transporter les épis jusqu'en haut. Sauf que en montant il y a quelques chocs, il y a quelques grains qui tombent et on perd quelques grains, ça s'appelle les grainages. Donc l'épi n'arrive pas tout entier, il a perdu un petit peu de ses billes. Et en fait ces petits grains de maïs, on va les récupérer quand même, on va pas les laisser filer et on va les mettre dans une benne à côté. Donc l'épi on va le faire sécher pendant tout l'hiver, on est au mois de septembre, on le récolte, il a à peu près le grain encore 30% d'humidité à peu près. Normalement cette année il a fait beaucoup plus sec, donc on est plutôt autour de 22-24% d'humidité et il va sécher lentement, doucement tout au long de l'hiver et on va le récupérer au printemps. On va ouvrir des portes en bas de la cage pour faire couler les épis et on va les passer ensuite dans une moissonneuse batteuse qui va séparer du coup la rafle et la partie rose ici au milieu du grain. On va garder que le grain. Donc pourquoi faire ça? C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup plus compliqué à faire que juste passer une moissonneuse batteuse et récolter tout de suite les grains à la récolte et les sécher ensuite. Mais la différence, en fait pour sécher des grains de maïs à la récolte, normalement il faut les sécher avec du gaz. Donc il y a des gros séchoirs qui sont utilisés pour faire ça. Et donc en faisant ça, moi j'économise deux choses. J'économise le prix du gaz d'une part, et ensuite j'économise aussi des émissions de carbone, de CO2 dans l'atmosphère. Donc j'ai un impact plutôt positif. Ça réduit mon empreinte carbone de 10% à peu près sur la ferme. Donc c'est déjà assez intéressant. Et ensuite au niveau économique, le maïs que je sèche comme ça, il me coûte 15% de moins à produire aussi. Donc le grain qu'on récolte à l'automne, il peut avoir entre 24 et 28% jusqu'à 30% d'humidité. On peut pas le stocker en l'état, faut le sécher d'abord. Si on met du grain qui est humide à ce niveau-là d'humidité dans des silos, il va commencer à chauffer, à fermenter, à pourrir un petit peu et surtout la température peut monter très vite, très haut. Ça peut même créer des départs d'incendie, voire des explosions. Donc non seulement la marchandise est perdue, mais en plus elle peut créer des dommages. Il faut absolument l'amener à une humidité où il peut être conservé. Cette humidité, c'est 15% minimum. 15%, on a du mal à atteindre ces taux d'humidité en laissant la plante sécher naturellement dans le champ. Il y a une limite, il y a une barrière, un peu une limite autour de 20%. Et surtout, avec l'automne qui arrive, on n'arrive plus, il commence à avoir des pluies, etc. L'humidité descend plus. Et en plus, à l'automne arrive aussi le vent, on le voit aujourd'hui, il y a pas mal de vent, et c'est du vent qui peut casser les tiges et du coup mettre la récolte par terre. Donc il faut absolument rentrer ce grain avant l'automne. Et donc il y a encore un petit peu d'humidité qu'il faut enlever en le séchant.